Ouais, ça gigote un peu dans tous les sens. On commence à avoir plus de mer. Mais ça avance dans la bonne direction. C'est cool. Le jour se lève. Et on aperçoit du ciel bleu un peu, et un peu de soleil. On a eu pas mal de grisailles pendant pas mal de temps. Et là, de voir un peu le ciel bleu, en fait, ça fait du bien. Hein. Comme quoi, la luminothérapie, ça doit avoir son utilité. Ça redonne le sourire. Bah, tout va bien à bord. On sera bien derrière nous. Le Pacifique devant nous. On fera une dizaine de jours pour aller au Cap Horn, si tout va bien. Avec des dépressions à gérer. Avec des choix de trajectoire à faire. Voilà. Avec l'équipe de routage, on se creuse les méninges pour trouver les meilleures trajectoires. C'est plutôt intéressant. Il y a pas mal d'oiseaux dans le coin. Je pense parce qu'il y a les continents, l'Australie, la Nouvelle-Zélande qui est pas très loin. Et en tout cas, pas mal d'oiseaux autour. J'essaierai de vous en filmer et d'en filmer et de vous en montrer prochainement. A plus. Bienvenue à bord d'Adagio. Alors aujourd'hui, jour un peu particulier. On vient de franchir un cap. Voilà, donc quelque part par là-bas, il y a l'Australie. Donc on vient de franchir la latitude ouest de l'Australie. Du coup, le cap Lewin. Voilà. Donc un petit aperçu des conditions. Une vingtaine de minutes. Ouais, c'est vu pour la force ici. Avec Harry. Allez, à bientôt. Direction le Cap Horn maintenant.